جناء ليست لنسى. أبي كان يحلم دوما بأن يسرق الفجر من أفواه الديكة، وأن يدع السكر يسيل من أجداق النهار وهو يقضم الظهيرة بسعاله. وأمي ماكينة غير متطورة، تختبئ أحيانا داخل زهرة فتعبث بالتويج والألم، وغالبا ما تبحث بين جثث التاريخ بثدييها لترضع حلما. وتحت شقاء مشانقهما تعلمت أن أسقي ببولي المبارك أعشاب الأرض لأفسد جنائن الممالك والقتلة. Je suis Adnan Adil, un poète irakien. J'ai déjà publié deux recueils de poésie. Le premier, c'était en 2000, quand j'étais en Irak. Je l'ai publié sous pseudonyme. Et le deuxième, je l'ai publié en 2009, quand j'étais en Belgique. Je l'ai publié en Syrie, dans une maison d'édition Al-Bidayat, se trouve à Damas. J'ai passé ma jeunesse, même mon enfance, assister les guerres qui brûlaient tout sur le contrôle du régime Saddam Hussein. C'était un régime dictateur qui essayait de nous dénoder de tout ce qui nous possède, même notre propre pensée. Alors, dans la période des années 80 et 90, il y avait des intellectuels ont divisé en plusieurs groupes. Il y avait qui étaient d'accord avec le régime, ils travaillaient avec les institutions culturelles, il y avait qui étaient contre les régimes, et eux, ils ont été torturés, emprisonnés, et ils ont été obligés de quitter l'Irak et partir vivre en exil. Et moi, j'ai commencé à publier au milieu des années 90. J'ai publié quelques poésies dans le journal, mais il y avait un censure sévère sur la publication. Le régime, il publiait pas de textes qui ne servaient pas leur politique. Alors là, j'ai décidé, cette raison m'a posé de publier mon premier recueil poésie sous pseudonyme. Et cette période, comme j'avais une librairie, ça me facilitait de contacter avec des intellectuels, des écrivains de la ville de Kirkouk et Bagdad. Et j'ai donné mes livres à mes amis, aux gens que je les connaissais. J'essaie d'écrire quelque chose que je l'ai vécu, je l'ai vu dans la vie quotidienne. C'est comme ça, j'essaie de mettre de la vie, de vocabulaire, de vie quotidienne dans mes textes. Et en fait, toutes les choses qui se trouvent dans l'activité humaine sont devenus quotidiens, comme les guerres, les révolutions sont des sujets quotidiens. Et je les traite, ces choses-là, comme je traite d'autres mots, comme un verre, une table ou une rue. Et j'essaie de dire quelque chose de simple. Je crois que le poète, d'abord, il s'adresse aux choses qui l'entourent. Et quand, pour comprendre ses natures, la nature de ces choses-là, et aussi des relations de ces choses-là avec le monde. Et à travers de cela, le poète il découvre lui-même. Et quand arrive ce point-là, il arrive de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Et comme ça, il trouve sa place. Et il arrête d'être perdu, peut-être. J'ai passé mon enfance dans un quartier populaire où les gens parlent différentes langues. Et c'est dans cet environnement qui considère la langue comme un être vivant qui se développe avec nous. Et c'est comme ça que j'ai appris de porter tout ce patrimoine culturel avec moi. Et quand j'écris, et je pense à toutes ces cultures, à toutes ces langues. Et j'essaye de dire quelque chose qui exprime l'être humain quand il est ou où il est.